Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de ce mois de juillet, il démarre avec le soleil en cancer pour le deuxième et ensuite pour le troisième décan. Alors ça, c'est jusqu'au 22. C'est un signe d'eau, très émotif et sensible, qui est axé sur sa famille, hein, sur le côté protecteur de la famille, la maison, le foyer. Et pour vous, c'est votre secteur 8. Donc, il y a une espèce d'ambivalence. Hein, parce que peut-être vous allez être obligé, pour une raison ou pour une autre, de partir en vacances dans de la famille ou avec la famille. Et le Sagittaire est quelqu'un qui a besoin de déployer ses ailes. Et quand vous êtes en famille, vous êtes quand même dans un cercle un petit peu restreint, vous pouvez pas faire tout à fait ce que vous voulez. Alors à la fois vous êtes content hein, de passer du temps avec la famille, et à la fois on a l'impression que ça vous bride un petit peu. En revanche, après le 22, quand le soleil va être en Lion et qu'il va faire un bon aspect avec Pluton, si vous êtes du premier décan, alors là franchement, hein, vous pourrez faire à peu près tout ce que vous voulez. Et en plus de ça, vous arriverez à influencer ceux qui vous entourent pour qu'ils vous suivent dans vos délires, si jamais vous avez des délires. En tout cas, ce sera une bonne période hein, pour être ailleurs, avec vos proches, et pour avoir ce sentiment de liberté, de dépaysement peut-être, que peuvent vous donner des vacances à l'étranger, par exemple. Du côté des activités, eh bien Mars est en Taureau jusqu'au 20, conjoint à Uranus. Alors, si vous travaillez, c'est sûr que ça peut être une période où on va vous dire que vous devez changer vos horaires, par exemple, ou que vous devez changer vos méthodes de travail. Je pense qu'on a déjà évoqué ça au cours de l'année, puisque de toute façon, Uranus, elle est en Taureau depuis plusieurs années. Mais là, elle est dans le troisième décan du Taureau, donc ça concerne surtout votre troisième décan. Donc éventuellement, ces changements dont je vous ai parlé. Mais Uranus est aussi une planète de contraintes, donc il est possible que sur votre lieu de travail, quelqu'un exerce une contrainte sur vous. Bon, ça se terminera l'année prochaine, mais vous êtes encore hein, dans cette ambiance qui peut être très facilement dépassée hein, par ceux qui finalement n'y accorderont pas une importance capitale. Je crois que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Après le 20, Mars va être en Gémeaux face à vous, mais en bon aspect avec Pluton. Alors, c'est sûr que il peut y avoir de la dispute dans l'air pour le premier décan, hein, quand Mars s'oppose. Ça peut être aussi quelqu'un qui va, un partenaire qui va être de fort mauvaise humeur, avec qui vous allez vous engueuler. Ou alors, vous n'obtiendrez pas un accord, mais il faut vous dire que de toute manière, ce sera une chance. Hein, si on vous refuse quelque chose, ce sera une chance parce que vous pourrez saisir une autre opportunité qui sera beaucoup plus intéressante. Côté cœur, eh bien Vénus occupe elle aussi le cancer, mais seulement jusqu'au 11. Donc, si vous voulez, là, il y a aussi ambivalence du côté de vos sentiments. Peut-être parce que vous trouverez que votre partenaire, si vous en avez un ou une, est trop émotif, trop sensible ou jaloux, jalouse. Bref, ça vous conviendra pas trop. Cela dit, c'est peut-être vous hein, aussi qui pouvez être jaloux ou un petit peu possessif. Mais ça m'étonnerait, c'est pas trop dans votre structure, hein, sauf si vous avez des planètes en Scorpion ou si vous êtes ascendant Scorpion ou Taureau. Bon, quoi qu'il en soit, cette Vénus du Cancer, elle passera au Lion le 11, et là, ma foi, vous serez hyper content. D'abord, le premier décan, hein, dans un premier temps, puisque Vénus va s'opposer à Pluton, que les deux planètes vont être en harmonie avec vous. Donc, si jamais il y a eu une petite crise
hein, quelques semaines auparavant, eh ben, les choses vont s'arranger, vous allez retrouver une belle complicité avec votre chérie, et bon, si vous êtes célibataire, eh ben, peut-être que parmi les personnes qui vous entourent, vous ouvrirez les yeux sur quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous n'aviez peut-être pas vu comme vous allez le voir là à partir du moment où Vénus et Pluton vont entrer en fonction. Bon, si vous êtes en couple, vous allez peut-être vous découvrir un nouveau centre d'intérêt que vous allez approfondir tous les deux et ça va durer assez longtemps. Le 7, le 8, le 21, le 26, ce sont les meilleures journées de ce mois avec, bon, tout d'abord, ce côté cancer où vous pourrez peut-être profiter de ces bons aspects lunaires pour voir les choses différemment, hein. Et puis, évidemment, ensuite, profiter, hein, de la période Lion, parce que c'est vraiment une des meilleures périodes de votre année, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous vous abonnez, vous likez. Et puis, si vous voulez plus d'astrologie, bien vous nous retrouvez sur nos réseaux sociaux, dans les lives du mardi et du vendredi, ou alors, évidemment, sur celastro.com. Mais n'oubliez pas non plus 12, hein, l'application de rencontre grâce à vos compatibilités astrologiques et puis les consultations que nous donnons, Zoé et moi. Nous vous souhaitons un très bon mois de juillet.